pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. J'suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le prochaine chanson, je vais faire salut à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook, j'espère que ça va. Très bien, on est 1033. Oh, il y a déjà 1000 personnes, c'est incroyable. Ben, salut à tous, n'hésitez pas à envoyer plein de petits cœurs et puis ben, on va direct enchaîner sur ma composition qui s'appelle Madame Meunière. C'est une chanson que j'ai écrite cet été. Faut savoir que je suis atteint de la maladie de Meunière. La maladie de Meunière, c'est la maladie des vertiges, la maladie de la tête qui tourne. Et voilà, j'ai écrit cette chanson durant une crise que j'ai eue cet été. C'était pas très agréable. Mais ça m'a fait écrire en tout cas cette chanson. Et voilà. Alors d'habitude, je la joue au piano. Le piano, c'est compliqué de le prendre dehors, surtout quand il fait à peu près... il fait 7 degrés aujourd'hui, on est bien, il fait chaud aujourd'hui. Il fait 7 degrés, mais voilà, j'ai pas pris le piano, donc je l'ai enregistré sur mon téléphone, et puis je vais vous l'interpréter. Et tu me fais tourner la tête, et le monde tourne autour. J'ai prié pour que tout s'arrête, et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives, et voudrais m'emmener avec toi.
surprend et puis m'enivre. Mais là-bas, je ne te suis pas. Je me suis souvent battue et en vain je t'ai repoussée. Je dois juste m'avouer vaincue lorsque tu en as décidé. Te laisser prendre possession de tout mon corps comme un poison. Puis quand tu en auras fini, je reprendrai le cours de ma vie. Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. J'ai prié pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'emmener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivre, mais là-bas je ne te suis pas. Jusqu'à ton prochain retour, je pourrai enfin filer droit. Tu sais, je t'oublie jusqu'au jour où tu t'occuperas bien de moi. Tu restes parfois une journée et souvent tu t'attardes des nuits. Tu berces toutes mes insomnies, j'aimerais pouvoir t'oublier. Tu arrives toujours sans frapper et tu entres encore à grands pas. Dans ma tête tu fais comme chez toi, tu lances la machine à laver. Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. J'ai prié pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives. La première fois que je t'ai vue, tu as fait chavirer mon cœur. Mais à 12 ans, comment veux-tu que je comprenne toute ma douleur? Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. J'ai prié pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'emmener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivres, mais là-bas je ne te suis pas. Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. Et je prie pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'emmener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivre, mais là-bas je ne te suis pas. Merci. Et ben voilà pour cette composition. J'espère que tout se passe bien sur Facebook. Et il y a plein de monde en plus qui sont là, qui est là. C'est vraiment chouette, c'est super cool. Et on a une invitée exceptionnelle qui est venue, qui nous a fait la surprise à l'arrivée là quand je m'installais. Et c'est vraiment cool, ça me fait super plaisir. Attends, on va te laisser toi désirer, on va pas te faire voir tout de suite. Hein. Mais voilà, on a une grande chanteuse qui est arrivée là, que vous connaissez toutes et tous sûrement. Qui nous fait la surprise d'être là. Du coup, je pense qu'on va chanter une ou deux chansons là, dans quelques instants, mais on va vous laisser un peu désirer. En attendant, n'hésitez pas à partager tous le live. Là, je ne sais pas combien vous êtes. On est combien sur le live? 1600. On est déjà 1600 sur le live. Donc voilà, n'hésitez pas à tous partager le live. Et elle va pas tarder à arriver. Voilà, on a une chanteuse qui arrive. Ça va être chouette. On va se faire quelques duos. Ça va être vraiment chouette. Ça va nous rappeler de bons souvenirs. Bon, est-ce que j'attaque du gros tout de suite? Allez, c'est parti, on fait un petit Queen. Bim, il y a du monde, on est chaud, c'est parti. J'ai pas la voix chaude, mais c'est parti. On va se faire.
soyons fous. C'est parti. Alors, pour la petite anecdote, la chanson qui va suivre, j'ai eu de très jolis mots d'une personne qui a côtoyé pendant 25 ans, 30 ans, me disait-il, c'était un de ses meilleurs amis, Freddie Mercury, et qui habite à Londres, et qui était tombé sur la version quand je me suis fait arrêter par la police à Bruxelles, et qui avait vu cette vidéo, et qui m'a dit, mais c'est magnifique, c'est super cool, et je suis trop content d'être tombé sur toi et sur cette version que tu faisais à la guitare. Donc du coup, grosse dédicace à toi, je ne sais pas si tu suis le live, mais voilà, je t'embrasse parce que tes mots m'avaient vraiment beaucoup touché, parce que vous savez que Freddie Mercury, c'est un artiste que j'admire plus que tout, quoi, vraiment, c'est celui qui m'a vraiment guidé dans la voie du lyrisme. Et du coup voilà, gros bisous à toi. Et puis ben, c'est parti pour Bohemian Rhapsody. On va essayer de faire ça à la guitare. Il y a du monde, sans fin. Is this the real life? Is this just fantasy? Cause in the landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. To me. Elle a un maximum de cœur sur Facebook. Mama, just to kill the man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Let's go, whoa, 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 no, 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 mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, be easy, man, put it down, put it aside for me, for me, for me. Tell me and leave me.
nothing that matters. Anyone can see that nothing really matters. Nothing really matters to me. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vais faire une ou deux chansons, puis après on montrera l'invité surprise. On va alterner composition et reprise ce soir, et on va refaire une composition. Et pareil, celle-ci elle est au piano, mais comme le piano c'est compliqué de le prendre, et ben du coup. Et bah du coup je l'ai enregistré au préalable sur mon téléphone, ça me permet de vous interpréter en plus au mieux. Juste avant, je vais mettre le petit lien de la cagnotte sur le truc. Alors vous savez que je suis auteur-compositeur aussi, et du coup voilà, je suis en train de faire, j'ai sorti j'ai fait deux albums, c'est mon deuxième album. Voilà, ici. Et vous pouvez participer à l'enregistrement de mon troisième album. Et voilà, si vous aimez mes lives, si vous aimez ce que je fais, ben voilà, vous pouvez mettre vous pouvez faire un petit don sur ma cagnotte. Alors je vous mets un petit lien. Ta-ta-ta. Hop là, voilà, je vous ai mis un petit lien. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un don. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 50 000 euros, si le cœur vous en dit, sur ma cagnotte. Voilà, j'ai mis un petit lien juste en bas, je l'ai épinglé. Et voilà, n'hésitez pas à faire un petit don sur PayPal ou sur Litchi, de ce que vous voulez. Et il n'y a pas de petit don, chaque don compte. Donc voilà, n'hésitez pas si mes lives vous plaisent. Moi, ça me fait super plaisir quand je reçois un petit don. Et bien, c'est parti, on part sur une composition. Et cette chanson s'appelle Inatteignable. Attendez, je prends un petit peu d'eau de rose, parce que si je chante comme ça, c'est parce que j'ai la potion magique dans mes... Non mais tu... Tout est assorti. Il y a du monde en dur, ça me semble fou, stress un peu. Le soleil qui brille, les étoiles sur Paris, t'illuminent sur la table. Et douces mélodies sortent comme par magie dans la nuit et le calme. Je savoure insaisissable, comme l'air que tu parsèmes de notes et de poèmes s'envole vers mon âme. Tu m'insuffles les mots qui traversent ma peau et fais baisser ma garde. À mon tour, et je cours toujours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai tous les jours jusqu'à retrouver ta voix de velours. Et je cours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai tous les jours jusqu'à retrouver ta voix de velours. Inéluctable, les sorts que tu me jettes, les accords qui me fouettent, ce trésor est responsable de ma folie soudaine qui enivre mes veines et me rend vulnérable. De jour en jour, inconsolable, quand coulent mes larmes sans bruit et sans âme, je suis abominable. J'attends le jour où tu cueilleras mon amour comme le fruit sur un arbre. Et je cours toujours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai
tous les jours, jusqu'à retrouver ta voix de velours. Et je cours toujours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai tous les jours, jusqu'à retrouver ta voix de velours. Non négociable, je n'irai pas en enfer, même si ce ne sont des chimères. Tu es inéchangeable. Je bâtis un amour, un ami, un mirage, pour que tout devienne acceptable. De jour en jour, inévitable. Comme fan l'amour, les pétales des beaux jours deviennent fades et maussades. Mes adieux, j'embrasserai mes vieux avant ma chute abyssale. Je ferai des chansons pour unique raison d'Amadou et le diable. Impitoyable, inébranlable, le vent sur ma figure a grandi la fissure, mais je resterai de marbre. Je t'aurai à l'usure. Tu m'aimeras, j'en suis sûr. Je sais, je suis lamentable. Qu'on me jette d'un pont ou dans la cage au lion, j'en sortirai redoutable. Redoutable. Tu es formidable, magistrale. Une étoile si spéciale. Là, sur Facebook, on va faire une dernière chanson. Et après, on vous présentera l'invité surprise qui nous a fait le plaisir de venir ce soir, de revenir sur Paris. Une chanteuse surprise. J'espère que vous êtes là sur Facebook, vous êtes connectés. N'hésitez pas à tous partager le live. Là, j'espère que tout se passe bien sur Facebook. Partagez-le tout. Je ne sais pas combien de partages on en a. Et Mickaël, toi qui tiens les statistiques un peu du live, à combien de partages sommes-nous? Et si vous aimez ce que je fais, ben n'hésitez pas, messieurs, dames, à mettre une petite pièce ou quelque chose, voilà, si vous aimez mes lives. Et pareil sur Facebook, si vous aimez le live, ben n'hésitez pas à faire un petit don sur la cagnotte, sur PayPal ou sur Litchi, ça m'encourage beaucoup. Et puis ben, ça m'aide à faire le troisième album. 349 partages. On est à 349 partages, et il y a combien de personnes qui regardent? 1880. Et il y a 1800 personnes qui regardent. Donc n'hésitez pas à faire tous un petit partage, j'envoie un peu de potion magique sur tout le monde. Mais n'hésitez pas à faire voilà un partage, n'hésitez pas à tous partager le live là maintenant tout de suite, partagez-le tous sur votre mur. Bon, on la montre pas, mais est-ce que tu es prête du coup? Ça va, montre-la pas, elle est cachée, elle est là-bas, elle est dans le public, vous ne la voyez pas depuis tout à l'heure, elle est cachée. Mais ça va, t'es chaude là, t'as la voix chaude, parfait. Parce qu'il faut savoir que là, on rappelle qu'il fait maintenant 5 degrés sur Paris. Il fait 5 degrés. Ah, ça descend. Alors c'était 7, maintenant il fait 5. Et vous m'avez... Ah oui, d'ailleurs, on m'a demandé plein de nouvelles chansons. Alors attendez. Ah oui, j'ai encore oublié. Attends, qu'est-ce que je chante? Alors, il y a quoi? Nini, la chanson, ouais, mais ça se fait avec le playback. À la guitare, ça serait mieux. Hein? Ah, on m'a demandé Roule de soprano. Allez, c'est parti. Ouais, je sais, en plus, on me l'a demandé souvent, Roule de soprano. Eh ben, allez, c'est parti. Roule de soprano, ça fera un petit flashback de La Nouvelle Star. Quand j'ai fait La Nouvelle Star sur M6, j'avais chanté cette chanson. Et donc, du coup, eh ben, let's go, c'est parti pour Roule de soprano. Et puis ensuite, on accueillera notre invité surprise. Et je compte sur vous pour envoyer un maximum de cœur. Envoyez tous un maximum de cœur au refrain. C'est-à-dire pas tout de suite, là, faites-le pas tout de suite, envoyez pas de cœur. Mais au refrain, vous avez une petite icône avec un petit cœur en bas de votre écran. Et vous enverrez plein de petits cœurs au refrain quand je dirai roule, 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 roule. Yeah, 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 yeah. Oh là là, on a même plein de lumière, regardez. Yeah, 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 yeah. Le jour se lève, la vie reprend, faut remplir la gamelle, mais tout en souriant.
proches appellent. Ils prennent des nouvelles, mon sourire leur ment. Rien n'est plus comme avant. Je fais semblant au milieu des gens. Je chante, je danse, mais quand t'arrives là, ton sourire et tes fous rires font trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. L'âme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec tes cils. Donc je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, ma jambe en l'air en insultant ta foutue maladie. Yeah, 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 yeah. Bada, nanana, on pense à toi, on pleure parfois, on se demande pourquoi, mais ainsi va la vie. Ta douleur n'est plus là, tu reposes en paix, on va au paradis. Tu nous voulais fort, tu nous voulais heureux. Donc j'ai repris le sport, j'ai fait de mon mieux. Mais la nuit, tes souvenirs font trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. L'âme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec tes cils. Donc je roule, 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 roule. Plus comme avant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de dire au revoir. Mais sur le quai de l'insomnie, tous les temps me mènent à lui, comme tous les soirs. Alors je roule, 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 roule dans les rues de ma ville, larmes à l'œil. La boule au ventre, je refais le monde avec des cils. Donc je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, ma chair en l'air en insultant ta foutue maladie. Alors je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, ma chair en refais le monde avec des cils. Yeah, 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 yeah. Avec des cils. Vous êtes top, merci beaucoup, vous êtes trop trop top, 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 top. Merci, merci. Alors, le moment est venu, d'accueillir notre invité surprise. Vous savez sans doute, il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont découvert sur Facebook avec cette vidéo-là, il y a un peu plus d'un mois de ça, où je chantais sur Notre-Dame, où j'ai chanté sur Notre-Dame, et une chanteuse m'a rejoint pour chanter quelques chansons. Et ces chansons ont fait le tour du monde parce qu'il y a eu plus de 5 millions de vues, ou 5 millions et demi, je pense maintenant, de vues sur cette vidéo, il y a un mois de ça. Et donc du coup, cette chanteuse, c'était Alice. Alice au pays des merveilles. Allez par là, allez cacher. Allez là. Et du coup, Alice m'a envoyé un petit message en me disant je suis sur Paris ce soir, donc voilà, on peut se voir pour faire un petit duo. Et voilà, c'est Alice. Elle a mis la casquette, le bob, là, on la reconnaît pas. Enfin, est-ce que tu enlèverais un petit peu le bob juste pour qu'on te reconnaisse? Voilà, elle est là. Et on avait repris ensemble deux chansons, on avait repris Alléluia et Back to Black de Amy Winehouse. Et donc du coup, on va vous faire quelques chansons, on va vous refaire celle-ci. Mais avant tout, je crois que tu voulais commencer par Aline, c'est ça? Voilà, commencer par celle-ci. Alors, on n'a pas de micro parce que c'est vraiment totalement imprévu. Hein, c'est voilà, quand j'ai marqué sur ma story comme quoi j'allais jouer à l'hôtel de ville, elle m'a dit qu'elle venait. J'ai pas de micro ou quoi. Mais on va se partager le micro. Je vais monter le volume un peu plus. Et puis on chantera un peu loin du micro comme ça, mais normalement ça devrait fonctionner. Normalement ça marche. Toi je sais que t'as une voix peut-être un petit peu moins. Qui porte un petit peu moins. Donc tu pourras te rapprocher. Alors. Donc on commence par Aline de Christophe. Et c'est pas mal, ça me paraît pas mal. Bon ça va, t'as fait bon voyage en tout cas parce que tu es à Bruxelles, c'est ça hein? Oui. Voilà. Allez à Bruxelles. Vous pouvez aussi la voir chanter à Bruxelles et vous pouvez aller la suivre sur les réseaux. Elle s'appelle Alice Tuny. T-U-N-N-E-Y. Ouais, voilà, et là je suis dans le game. Bam, bam.
Et ben allez, c'est parti. Alors on va faire ça un peu plus haut. Et ben allez, on va faire ça comme ça. Bonne avant fin. On va faire comme ça, on va chanter, faut quand même que tu te mets un peu. Okay, c'est ça. Ça te va là comme ça? Oh, c'est pas du tout prévu, on n'a pas du tout répété, donc du coup, c'est un peu à l'arrache hein, quand même. Hein. Je vous le dis. Donc laisse pas chanter toi près du micro. J'avais dessiné sur le sable, son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage de cet orage, elle a disparu et j'ai crié. Je suis assis près de son âme, et là elle t'aime, s'était enfui, je l'ai cherché sans plus y croire, et sans un espoir. Que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Alice. Facebook 1953. On est 1953, ça va, on n'a pas trop le stress, il y a quand même 1900 personnes derrière la caméra. C'est un truc de fou. Alors les amis, je compte sur vous pour tous partager à fond, à fond, à fond le live et envoyer plein de petits cœurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Amy ou Alléluia. Alléluia ou Amy Winehouse, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Amy Winehouse ou Alléluia ou Amy Winehouse. Alléluia. Ah, ils sont tous chauds pour Alléluia. Alors les amis, si vous voulez, Alléluia, là déjà. Déjà, je sais pas, là, il y a plein de gens dans le public. Est-ce qu'il y en a qui ont Facebook ici? Do you have Facebook? Okay, you can go on Facebook. My name is Roman Roses. So, vous pouvez aller sur Facebook. Voilà, ils sont déjà sur Facebook, ils sont déjà connectés dessus. Ils sont déjà sur Facebook, Roman Rose. N'hésitez pas à aller dessus. Voilà, faites voir, regardez, le monsieur nous fait voir qu'on est en direct. Et n'hésitez pas à envoyer plein de petits cœurs, il y a des petites icônes en bas, dans les refrains de Alléluia, à chaque fois qu'on dira Alléluia, vous envoyez plein de petits cœurs. Vous envoyez pendant 10-15 secondes, tous ensemble et tous en même temps, et ça fait un effet de groupe. Et quand vous faites ça tous ensemble, ben ça partage le live dans le monde entier, messieurs, dames. Et oui, dans le monde entier, rien que cela. Alice,
salle se dit mais qu'est-ce que je fous là encore. Et il fait, ah tu comprends qu'il fait froid. Tu peux dire aux gens que je rigole pas. Quand je joue vraiment il fait très ouais, froid. On rigole pas, c'est bon, on a juste perdu encore un degré. C'est bon, vous en faites pas. De plus en plus, dans pas longtemps on va jouer à moins 10. Mais depuis que je suis parti au Canada c'est bon, j'ai pris le coup. Donc je compte sur vous, on envoie plein de petits cœurs sur Facebook dans les refrains. Alléluia, Mickaël aussi vous montrera sur le téléphone pour les envoyer dans les refrains. Alors, c'est parti. Ouais, Alléluia, c'est un nouveau truc. C'est une nouvelle version. I heard the memoirs of secrets called to David played and appeased the Lord. But you don't really care for what I do, yeah. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing stream, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she chewed it. Maybe I've been here before. I've seen this when I was not alone. I used to live alone before I knew you. I've seen you fled marble arch, and love is not the victory march. It's a cold and it's a broken. The time which you let me know what's really going on below. Now you never showed it to me, please. I remember when I moved in you and I held it down while I'm moving too. Every breath we drew. Thank you.
C'est tout improvisé. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de me chauffer avant. Non, c'est vrai qu'il caille, il caille quand même. Je suis pas mal équipé, on dirait pas comme ça. Parce que les gens ils m'ont dit, mais t'es un grand, un malade de jouer en costume. Bah, c'est vrai que c'est ma tenue de scène, je suis obligé de jouer comme ça. Mais quand même, dessous, j'ai 8 pantalons, j'ai 17 t-shirts. Et voilà, ça se voit pas, mais voilà, des gants et tout. Donc vous inquiétez pas, je suis quand même à peu près au chaud. À peu près. Ah ouais, ça sent le trépied tout ça là. Oula, là, attention. Là, on a BFM qui arrive. C'est un truc de dingue. Merci les gars d'être solidaires. Est-ce que tu veux que je te propose, j'ai pas encore touché celle-ci, du thé bien chaud? Alors fais gaffe, c'est vraiment très très chaud. Fais juste vraiment gaffe parce que ça, je l'ai pas ouverte avant. Donc... Celle-là, je l'avais pas encore ouverte, alors du coup, elle va vraiment être chaude. Et ben, j'espère que ça va sur Facebook. N'hésitez pas à nous marquer dans les commentaires si vous avez envie d'une chanson en particulier. Quand vous voulez qu'on chante avec Alice ou que je chante aussi après, marquez dans les commentaires toutes les chansons que vous voulez. Et puis ben, Michael ou Paola, tous ceux qui sont sur Facebook me diront vos choix, vos demandes. Voilà. Amy Winehouse. Allez, un petit Allez. Mini. Et ben c'est parti, la dernière fois donc, qu'on s'est rencontré avec Alice, donc comme je le répète pour tous ceux qui nous rejoignent, c'était à Notre-Dame. Et du coup elle chantait et j'ai adoré sa voix et tout ça. Je me suis dit tiens, ça serait super que je vais faire un live après, comme d'habitude vous savez que je joue un peu partout. Et je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, tu chantes super bien, ça serait super chouette qu'on chante une chanson ensemble sur mon live. Et elle m'a dit bah écoute, pourquoi pas, je vais rester et tout ça, qu'est-ce qu'on peut chanter. On n'avait pas du tout prévu le truc. Et puis voilà, j'ai chanté une chanson, ensuite elle est venue chanter. Et là, bam, vous avez adoré ça, vous avez partagé ça dans le monde entier, il y a eu plus de 5,5 millions vues. C'est un truc de fou, de malade de la tête. Donc voilà, grâce à Alice et sa tendre de voix et délicieuse voix qui va nous enflammer sur Back to Black. Vous pouvez aussi rejoindre, je le répète encore une fois, Alice sur ses réseaux, sur Instagram et sur Facebook et sur YouTube. Elle s'appelle Alice comme Alice au Pays des Merveilles. On ne te la fait jamais celle-ci, je suis sûr. Et Alice Tuney, T-U-N-N-E-Y. Moi ça me fait penser à Tune et tout ça, un peu dans la musique et tout, Tuner et tout. Je trouve que c'est vraiment cool comme nom. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est même pas son nom de scène, c'est son vrai nom. C'est un truc de fou. N'allez pas non plus frapper chez elle. Mais voilà, et bah allez, c'est parti. On y va. Et bah, Back to Black. Une chanson magnifique et très joyeuse d'Amy Winehouse. Yeah. Hein? Pas trop grave. Ah, elle était trop grave la dernière fois. Ça va. Alors attends, on va faire en plus de. To regret, kept his dick wet with his simple safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guide. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tried to burn the track, my odds are staking, I'll go back to it's not enough, love, love, and I love that.
il faisait déjà un petit peu plus chaud la dernière fois quand même. Bon, je te laisse te reposer, mais réfléchis peut-être à une dernière chanson peut-être qu'on pourrait faire. T'as la playlist, je te l'ai envoyée. Ah oui, regarde dans la playlist quand même, elle va nous réenchanter. Si ça te dérange pas, on l'exploite dans l'exploit. Elle fait une petite pause pour se réchauffer. Tchao, prends si tu veux ta petite bouteille pour te réchauffer. Merci. On lui offre un peu d'eau de rose. Elle va aller se réchauffer. Je vais chanter quelques chansons. Et puis Alice nous rejoint pour nous chanter encore quelques chansons. Elle va regarder sur la playlist s'il y a des chansons qu'elle connaîtrait, qu'on pourrait improviser comme ça. En tout cas, j'espère que ça se passe bien. Un grand merci à notre ami Mickaël qui est toujours à la caméra. Voilà, qui est ici. Merci, merci à Mickaël. Et puis voilà, on est sur le pont d'Arcole, à côté de l'hôtel de ville. Voilà, juste là. On salue Anne. Salut Anne. En plus, les temps sont difficiles en ce moment pour Anne. Du coup, gros bisous. Et puis du coup, voilà, on est sur la scène. Il caille quand même pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des idées de chansons. D'ailleurs, ça serait bien. J'ai fait un post hier. Ah bah tiens, vous voulez Nini la chance? On voulait Nini la chance, hein. Eh ben allez, c'est parti, on fait Nini la chance. C'est parti. Alors Nini la chance, je la joue pas à la guitare. Enfin, si, je la joue à la guitare aussi, mais j'ai fait toute une... Quand Annie Cordier est décédée l'année dernière, j'ai fait toute une réadaptation de cette chanson, qui est une chanson joyeuse. Et voilà, j'ai fait toute une réadaptation, un arrangement au piano, parce que vous savez que je suis multi-instrumentiste. Et j'avais enregistré cette chanson. Alors, et elle fait... Alors... Tac, tac, tac. Et pour information, nous sommes à 802 partages. On est à 802 partages. On est moyen, hein. On est moyen sur les partages, hein. Oh, on est quand même pas si mal. Mais si jamais, n'hésitez pas à partager le... Voilà, c'est bon, j'ai trouvé la chanson. N'hésitez pas à partager le live. Là, on est à 800 partages. Ça serait cool qu'on atteigne au moins les plus de 1000 partages avant la fin de la chanson. Donc, partagez le live. Et envoyez plein de petits cœurs. Et puis, faites aussi plein de petits dons sur la cagnotte, sur PayPal, sur Litchi. Voilà, c'est super cool. Ça me fait trop, trop plaisir. Et on part pour cette chanson d'Annie Cordy avec un arrangement que j'ai fait et qui fait comme ceci. Toujours appelé comme ça. Ta veine à toi, c'est de prendre la vie comme elle va. Nini la chance, Nini la chance. Quoi qu'il t'arrive, tu te dis, c'était écrit. Et que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, tu suis ta route avec petit grain de folie. Nini la chance, Nini la chance. La vie est belle quand on y croit comme toi. Tu revois encore tes 15 ans sous le ciel du nord. Tes parents ne roulaient pas sur l'or. Quand tu voyais briller les pavés mouillés, tu disais tout doit changer. Nini la chance t'a toujours appelé comme ça. Ta veine à toi c'est prendre la vie comme elle va. Nini la chance, Nini la chance. Toi tu fais des ciels tout bleus, c'est merveilleux. Quand la pluie tombe sur ton dos, tu laisses pleuvoir. Dans les flaques d'eau, tu danses en chantant ton espoir. Nini la chance, Nini la chance. La vie est belle quand on y croit. Un homme croisa ta ligne de cœur. Tu lui signas un chèque blanc sur le bonheur. Nini la chance, Nini la chance. Ce garçon-là, que diriez-vous si c'était moi? Tu ne sais pas où peut se cacher ton Roméo.
et dédicace à Philippe Rodriguez qui adore cette chanson, qui est une rose qui me suit, enfin une rose qui me suit, et voilà que j'ai rencontré cet été quand j'ai joué à Marseille et qui m'avait fait un joli tableau avec ma tête et tout ça en gravure sur le bois. Donc voilà Philippe, je sais pas si t'es connecté, mais une grosse pensée à toi. Je sais que tu aimes beaucoup cette chanson, t'étais venu me voir jouer en concert cet été dans le sud, et il faisait beaucoup plus chaud d'ailleurs, c'était plus sympa là dans le sud, dans le Var. Chanson Alice. Hein? Ah ouais, c'est clair. Les gens qui sont là disent on a froid. Bah ouais, c'est sûr qu'il fait froid. Et moi, j'ai pas froid. Moi. C'est quoi? Ah, c'est sa petite carte, ah ouais, on pourrait la mettre et tout ça, mais de toute façon, ils le savent maintenant, ces réseaux, je pense que le mieux, c'est de mettre sur les... Mais je la garde, moi, j'aurai une petite carte, voilà. Mais voilà, vous pourrez aller voir Alice sur les réseaux et tout. Alors, essayons de faire une chanson, alors, attends, elle a choisi une chanson que je fais jamais, mais on va essayer. On va essayer de faire une chanson de Birdie qui s'appelle Skinny Love, donc ben c'est parti. Un max de cœur pour Alice. Un maximum de cœur. Alors un peu plus haute. Tac. Pas trop non plus. Ah bah mal. Alors je vais remonter le volume. Merci beaucoup. Merci Romain. Voilà.
Je me sauve, mais ah, merci beaucoup. Elle va revenir. Merci beaucoup d'écouter. En tout cas, c'est super cool. Et puis, à bientôt, c'est cool que tu as venu. Ça fait plaisir. Merci. Et puis, bah, on refera des lives et tout ça. Si tu reviens sur Paris, voilà, tu me dis. Merci les gars, en tout cas, d'être venus aussi. C'est cool que vous soyez passés. Et puis, bah, au plaisir. Profitez bien. Et puis, à bientôt. Bisous. Bon, il y en a qui ont froid. On va les réchauffer un peu. On va les réchauffer. Un maximum de cœur, Jean-François, on va se réchauffer. On va voir. Il y en a qui chantent ou pas? Il y en a certains qui chantent. Hein. On va voir. On va voir si ça chante un peu. Nero. 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 Ah, il commence à être pas mal. Hein. Oulala. I want to break free. I want to break free. To break free from your loss, you're so self-satisfied, but I don't need you. I want to break free, and God knows I want to break free. Ow! I'm falling in love. Merci beaucoup Phoenix Kelly qui me suit et à Sylvie d'avoir fait un don. Et puis voilà, pour les autres, n'hésitez pas à aller faire un petit don sur Facebook si le live vous plaît. J'ai mis un petit lien en bas. Et voilà, il n'y a pas de petit don, mettez ce que vous voulez. Et c'est toujours un petit pas de plus pour faire mon troisième album. Parce que vous savez que ça coûte cher à faire un album. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit don si vous passez un bon moment musical. Oula, les trottinettes comme ça vont plus vite. Oula, là, ça fait un peu peur. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit don. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait comme chanson maintenant?
Pour information, nous sommes à 1727 personnes avec 904 partages. 904 partages, on est bientôt à 1000 partages, les amis. Les amis, continuez de partager sur votre mur le live. C'est marqué en bas, c'est marqué partager. Et n'hésitez pas à le partager encore plus. Allez, on part sur... Attends, j'ai eu plein de... Ah, je sais, on va faire les Men's World, hein, James Brown. Et pendant que je chante James Brown, vous réfléchissez à d'autres chansons. Adele, Robbie Williams. Ah, Robbie Williams, c'est pas mal ça aussi. Ah, c'est pas mal, je la fais jamais celle-ci. Allez, on part sur Robbie Williams, c'est parti, on y va. C'est quel, comment ça fait? Sit and wait, doesn't... Angel. Angel. Non, pas balance ton quoi, c'est pas la même chose. Ah ouais, ça c'est stylé, ça fait longtemps que j'ai pas chanté cette chanson. Les amis, je compte sur vous, en bas de votre écran, vous avez des petits logos avec marqué like, haha, les petits smileys et tout ça. Mais il y a un petit cœur en bas. Envoyez un maximum tous, c'est un maximum de cœur. Vous parlez sur Facebook, vous parlez pas avec les autres. Ah bah désolé madame, parce qu'on fait un live pour faire... Oh la dame, elle était pas contente qu'on fait un live pour vous, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à envoyer plein de petits messages sur... plein de petits cœurs sur le... en bas, c'est marqué plein de trucs. Et envoyez plein de petits cœurs. Mais on chante aussi pour les gens qui sont là. Mais les gens, ils sont pas dans... Sit and wait, doesn't angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're green and old? That's a lesson that the winds unfold. So when I'm lying in my bed, it's running through my head.
Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui sont sur Facebook. Parce que oui, comme disait la dame, c'est vrai que je fais des lives aussi pour vous qui regardez sur les réseaux. Et mais là, c'est chouette. Pour une fois qu'il y a un peu de public, tout ça, ça c'est vraiment cool. Ils ne se laissent pas démotiver par le froid. Ça va les enfants? J'ai plein de jeunes aussi hein, qui sont là. Ça va? Vous allez bien? Oui, vous venez d'où? Ah, ils sont chauds. Vous venez d'où? Where do you come from? Qu'est-ce que vous aimez comme chanson? Vous connaissez Vianney? Vous aimez bien? On va peut-être faire un Vianney pour les jeunes. Parce qu'ils connaissent pas trop Robbie Williams, c'est pas trop leur délire. Ah oui, il y a la playlist aussi, ils peuvent choisir dans la playlist, il y a plein de chansons. Alors, ah oui, j'avais dit que je voulais faire Man's World. Pour la prochaine chanson, je vais faire un James Brown. Vous savez, pour ceux qui connaissent quand je la chante, la première note, j'essaie de la tenir très longtemps, le plus longtemps possible. Et pendant que je ferai cette première note, qui dure très longtemps, je compte sur vous pour envoyer un maximum de plein de petits cœurs qui tout le long que je tiens la note tous ensemble en même temps. Vous envoyez tous plein de petits cœurs, ça va faire un truc, une ébullition de petits cœurs. Et voilà, juste pour le petit passage de la première note, là, quand je vais tenir la note à fond. Peut-être même qu'on pourrait changer. Ah, on va changer, les amis. À chaque fois que je vous demande d'envoyer des cœurs, il y a la petite icône avec marqué « Wouah ». Tu sais, le truc qui fait « Wouah » comme ça, là, avec la bouche ouverte. Et ben là, on envoie plein de petits « Wouah » comme ça. Moi, ça changera un peu, parce qu'on envoie toujours des cœurs, mais on va essayer avec les « Wouah » si ça marche aussi. Donc, la première note, quand je vais la tenir très 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 longtemps, là, vous envoyez plein, vous cliquez plein de fois sur l'effet « Wouah ». Alors, je sais pas si on le voit sur ton écran, toi, l'effet « Wouah ». Ah oui, c'est celui-là, avec la bouche ouverte, là. Celui avec la bouche ouverte qui est ici. Tac, tac, tac. Ah, mais je vois qu'il y a So Good qui est là. Salut, So Good. Bah, attends, je vois pas, il y a mon ami. Ah, il y a mon frérot aussi qui est là. Salut. Salut, Axel. Il y a tout le monde, voilà, parce que moi, j'ai pas mon téléphone. Mais salut, Axel. Salut, Pascal. Salut, il y a Franck Mikaelef aussi qui est là. Bah, bien sûr, voilà. Il veut du balavoine, comme d'habitude, Franck, bien sûr. Et ben voilà, il y a le petit effet waouh qui est ici. Et ben je compte sur vous pour tous envoyer un petit effet waouh sur la première note de la chanson. Ah, assez good. Non, c'est pas ça. You know what I meant, like smiling.
little nothing. Nothing. Nothing without a human without a woman or the girl. Eh ben les enfants, ils ont choisi beau papa de Vianney. Donc c'est parti, on va faire pour eux. Comment vous appelez? Kaina. Alors pour Kaina, Asma, Ilyes. Asma, Ilyes. Kera, Salma, Louisa. Et voilà, Nadir. Pour, pour les prénoms, mais on va faire vos papas. Ben c'est parti. On va faire vos papas. On va faire vos papas. Et je le rappelle, voilà, n'hésitez pas si vous voulez partager un petit peu, voilà, comme vous n'êtes pas là pour mettre une petite pièce dans les tuyaux, n'hésitez pas si vous kiffez le live à aller faire un petit don sur PayPal ou sur Litchi, voilà, en mettant 1 euro, 2 euros, 5 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, si vous voulez. Ça me fait rigoler chaque fois que je dis ça. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit don si mes lives vous plaisent et si vous aimez qu'on vous les partage. Voilà, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit don, ça me fait super plaisir. Et puis je remercie d'avance déjà tous ceux qui en ont fait un ou qui vont le faire. Voilà. Merci beaucoup. Et ben allez. Il caille quand même. Et vous aviez raison sur une chose. Je me suis coupé les cheveux, en effet, je suis allé chez le coiffeur. Et j'ai mis en story la dernière fois, il filme un peu mes cheveux. Et j'ai eu de tous les trucs, hein. Genre c'était mieux avant, j'adore cette nouvelle coupe, nanana. Faut savoir que je fais toujours la même, en fait je vais au coiffeur tous les 1 mois et demi et je fais juste raser un peu les côtés et un petit peu le dessus. Mais il y a un truc, vous avez raison, c'est vrai que par contre il fait beaucoup plus froid maintenant que je les ai coupés. Honnêtement j'ai froid à la tête maintenant. Voilà. Et ben allez, la chanson fait comme ça. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font des familles du moment qu'on s'aime. Et si la veste touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois.
traverse, nous touche toi et moi. Jamais la place, premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage, mais c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité. Dans sa vie là, dans sa vie où elle n'a rien demandé. Si la verse me touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse me touche toi et moi, en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y'a pas que les chaînes qui font des familles du moment qu'on s'aime. Et si la verse me touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse me touche toi et moi, moi ma je vais faire une composition. Je sais que Franck Michaleff me la demande un peu souvent, parce qu'on est un peu dans le thème. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon futur fils ou ma future fille que j'aurai un jour, et elle s'appelle Little Rose. Donc voilà, je vais vous faire cette chanson. Et voilà, c'est une chanson d'espoir, comme quoi, faut toujours croire en ses rêves, les enfants, les grands enfants aussi. Et voilà, faut toujours aller au bout. Moi, j'ai toujours voulu faire chanteur, toujours chanter. Bah voilà, maintenant il y a des milliers de personnes qui suivent sur les réseaux. Vous savez pas, vous allez voir vos têtes, vous allez voir sur Facebook, en mode, ils vous ont tous vu. Et là, elle se dit, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Je suis censé être au boulot, ils vont tous savoir que je suis là. Et bah allez, c'est parti. Cette chanson s'appelle Little Rose. Ça s'appelle Little Rose, et puis bah voilà, let's go, et on partage, et on envoie plein de petits cœurs. D'où que tu viennes, suis toujours ton cœur. Quoi que tu sèmes, apporte le bonheur. Tout ce que tu fais, inspire la couleur. Le vent tournera, sèche un peu tes pleurs. Cours, cours tous les jours, il ne tourne pas en rond. Quoi qu'il advienne, le temps effacera. C'est toujours les mêmes que la vague emportera. Toutes les étapes que tu franchiras, je te mènerai à tes plus beaux résultats. Crois, crois tous les jours, mais ne tourne pas en rond. Si un jour tout se bouscule sur n'importe quelle latitude, je serai là pour toi. N'écoute jamais les incrédules qui te descendent et qui t'allument. Ne perds jamais le pas. Les cœurs. Cours, cours toujours.
Attends, je voulais faire un truc. Attends. Oh là 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 là, je voulais passer le capotasse dessous. Voilà, qu'elle nous embête pas et qu'on continue la chanson. Quand tes rêves éveillés, tu feras des... Quand tes rêves éveillés, tu feras des monts et merveilles. Du bout de tes doigts, le ciel te protège, j'avais toujours sur toi. On prend tes chemins que tu ne connais pas, mais fonce. Vas-y, fonce, ne te retourne pas. De toi, tes joies et tes peines font de toi un soldat. L'amour et ta haine se ressentent au combat. Des pluies diluviennes et tu passes le chemin. Surpasse-toi, mais ne renonce pas. Il y a présent que tu sais faire, que tu as l'art et la manière. Ne te défile pas. Et si tu te laisses emporter par les courants et les marées, changement de corde, les amis. Donc ne quittez pas, ça va prendre à peu près 1 minute 30. Parce que je suis habitué, regarde. C'est comme quand t'es en Formule 1, tu sais qu'il faut changer un pneu. Et ben là, tu fais à peu près pareil, sauf que c'est avec une corde. Alors attendez, je mets mon écharpe. Un peu comme ça. Les enfants, je vais vous apprendre à changer une corde. Vous voulez voir comment on change une corde de guitare? Approchez, venez voir. C'est comme Père Castor, tu sais. C'est un peu comme Père Castor. Père Castor, montre-nous comment on change une corde. Alors, regardez. Là, on a cassé une corde. Donc, il faut changer la corde, vous voyez. C'est un peu pénible, donc regardez, j'ai une pince. Tac, tac. Ah, oh, une guitare comme celui-là, ça te coûte une fortune. Tac. Alors, je fais enlever ça. On enlève la corde ancienne, celle qui est abîmée. Voilà, on a enlevé l'autre corde. On enlève ma petite pince. Tu peux faire un petit bonjour? Attends, on va faire le bonjour, vas-y, fais le bonjour à la caméra. Bonjour monsieur, je suis le spectateur. Alors là, on va chercher le numéro de la corde, du coup. C'est la mi, la ré, c'est la corde de ré. Donc la corde de ré, à chaque fois j'oublie, c'est 32. Voilà. 32. On va chercher le numéro qui va. Ta 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 ta. C'est ludique. Allez, le numéro 32 et le bon numéro est le numéro 32, sauf qu'il n'y a rien dedans. Des fois c'est comme les boules, tu sais, des fois tu tires une boule, il n'y a rien dedans, c'est le numéro 32. Mais ça ne marche pas. Alors du coup on retire. Il y a du 42, il y a du 15, il y a un peu de tout là-dedans, mais on voudrait du 32. Alors attendez, cherchons du 32 là-dedans. Du 32. 32. Tu vois, tu choisis du combien toi? Ah, tu fais du 35-36. Ah, on n'est pas encore en 32, mais bon, c'est à peu près pareil, tu sais. Alors, on y va. On a pris, donc ça c'est une ancienne corde. Hein. Je vais pas mettre une nouvelle corde parce que sinon, je vais prendre une ancienne. Roman, tu démêleras tous les câbles. Voilà, on la passe dans le petit truc là. Hop là. Voilà, on la passe dans le trou. Tac. Et elle repassera par là. Bim. Ensuite, si j'ai tout mon attirail, j'ai une petite roulette. On prend la roulette. Ça va un peu plus vite qu'à la main. On arrive et on tourne tout simplement vers l'intérieur. Une fois dessus, une fois dessous. Tac. Et on tourne la manivelle. Ça tourne et ça serre la corde. Regardez. Et c'est fini, et on a changé la corde. Et on peut repartir maintenant. Ils sont toujours là sur Facebook, vous avez vu? On a fait une petite pause changement de corde, ludique. C'était un peu ludique, autant rendre l'utile à l'agréable, quoi. Alors, attendez, tac, je range un peu mon bazar. Paf. 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 Au revoir.
y a encore du monde, on continue ou pas? Oui, 1179 personnes. Ah oui, il reste encore 1000 personnes. Bon, allez, on continue. J'accorde juste la guitare. La guitare. Alors celle-ci, je sais pas si elle va durer longtemps, parce que vu comme elle est noire... Oh là là. Et bah allez, c'est parti, on est accordé. Et qu'est-ce qu'on pourrait chanter comme chanson? Est-ce qu'ils ont des idées de chanson? Alors. Ah mais je ne sais pas brancher la guitare encore. Voilà, on y est, on va pouvoir reprendre. C'est mieux avec le son. Alors, qu'est-ce qu'on va reprendre sur quoi? Est-ce que vous avez donné des titres de chansons? Est-ce qu'il y a des chansons qui vous feraient plaisir? Inatteignable. On l'a déjà chanté. Chalot. Chalot. Chalot, ça peut le faire. Ah, on m'a demandé une chanson. On m'a demandé Blinding Lights. Je m'en souviens maintenant. C'est Catherine qui m'a demandé ça. Elle m'a dit, ah, tu feras celle-ci parce que je l'ai marqué 15 000 fois dans les commentaires au dernier live et tu l'as pas lu. Alors du coup, là, j'y pense, tu vois, comme un Blinding Lights. Eh ben écoute, on va essayer de se la faire. Je sais pas si je la chante vraiment bien. Attends, je vais essayer de la refaire. Allez. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you could show me how to love. Maybe I'm going through its rules. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Running since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you go. I said, oh, I'm blinded by the light. Now I can sleep under your touch. I said, oh, I'm drowning in the night. And when I'm like this, when I'm souvent la guitare comme ça, là c'est vraiment chaud. Et j'ai essayé. Alors, ah, elles étaient chaudes, elles ont dansé, hein. Elles étaient à fond. Hein. Ah, t'inquiète. Ah, ça t'inquiète. Hein. Et ben, j'espère que vous avez aussi apprécié sur Facebook. Alors, on part sur quoi? Est-ce qu'il y a, on a des chansons de Noël? Une chanson de Noël. Alors, une chanson de Noël. Mais j'en connais plein de chansons de Noël. Mais attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mon amour est une image aussi. L'amour à ton image.
Ah ouais, mais au piano c'est un peu mieux parce qu'à la guitare. Ouais. Vive le vent. Alors attends. On va faire une chanson de Noël. C'est pas si c'est parti, on y va, c'est Noël. Où c'est que j'ai mis le capot d'as? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai laissé là-dedans. Est-ce que j'ai laissé le capot d'as là-dedans? Oui, il est là. J'ai gagné un capot d'as. Hop là. Voilà, on remet un peu tout comme ça, sinon après, Michael gueule. Oh zut, pardon. Alors, je vais juste raccorder la guitare, parce qu'on vient de changer la corde. Quand on vient de changer la corde en général, ça se désaccorde vite. Pas tant que ça. Et ben voilà aussi, ouais, bah, il vous présente mon album. Donc si vous aimez mes, bah, aussi mes compositions, vous savez que ce soir je vous ai fait quelques compositions, j'en referai une d'ailleurs après. Vous pouvez commander mon album tout simplement en m'envoyant un petit message privé. Alors il en reste presque plus de celui-là, mais il y a une nouvelle réédition qui est en cours et qui arrive là d'ici 2 semaines. Vous pouvez déjà le précommander, hein, le commander, et puis il va arriver chez vous d'ici 2-3 semaines. Donc voilà, voilà, voilà. Pour ça, vous m'envoyez un petit message privé sur ma page. Et ben allez, on fait une chanson de Noël. Ils ont demandé une chanson de Noël sur Facebook, donc c'est parti. On part pour cette chanson de Noël qui fait comme ça. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, where the field we go, laughing all the way. Bells on birthday swings, making spirits bright. What fun is to ride and sing a sleigh along tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. A day or two ago, I thought I'd take a ride and still miss Fanny Bright. Was sitting by my side, the house was lit and lit. This curtain seemed to blow. We ran into the trees to make it dance. We got the snow. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh? Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh? You ago, the story I must tell. I went out in the snow, and on my back I fell. I again was riding by in a one-horse open sleigh. He laughed at me as I ran, lay back quickly, drove away. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh. On aura fait une chanson de Noël. On aura fait une chanson de Noël. Ah, il kiffe les chansons de Noël en fait. Il kiffe les chansons de Noël. Attends, je vois si j'en ai une autre. Attends, qu'est-ce que j'ai en anglais en chanson de Noël? Ah, mais celle-ci elle est vraiment chaude. Celle-ci elle est chaude, les paroles j'y arrive pas trop en anglais. Parce que je suis français. Il y a des anglais ici. Il y a des français quand même. Beaucoup d'autres. I wish you Merry Christmas, I wish you Merry Christmas, I wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and you kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Now bring us some pudding, bring us some figgy pudding, bring us some figgy pudding and a cup of good cheer. C'était un essai pour rigoler. Bon, faisons quelque chose de sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chanson sérieuse? Maintenant qu'on a fait un peu n'importe quoi. Ça me fout le stress, il y a plein de gens. Hey, on n'a pas encore fait Whitney Houston. Faut qu'on fasse Whitney Houston aussi. On n'a pas fait Whitney Houston. Sauf que c'est dommage parce qu'on n'a pas la Tour Eiffel qui brille, qui scintille. Parce qu'en général, j'aime bien faire cette chanson quand il y a la Tour Eiffel qui scintille, il y a une petite synchro.
C'est parti. On va la faire aussi pour les gens qui sont là. Eh ben c'est parti. Les amis, je compte sur vous. Est-ce qu'il y en a qui ont Facebook ici? Do you have Facebook? Ok. You can go on my Facebook page. My name is Roman Roses. It just make here. Roman Roses on Facebook. And you can follow the live. Ok. Donc vous pouvez aller sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez Roman Rose. Vous rejoignez le live. Et le début de cette chanson commence a cappella, c'est-à-dire où il n'y aura pas de guitare. Et quand la guitare commencera, on enverra un maximum de petits cœurs. Il y a des petits signes en bas, on enverra un maximum de petits cœurs dessus. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur Facebook, je m'appelle Roman Rose, et rejoignez le live. Et dès que la guitare rentrera en jeu, et ben vous enverrez plein de petits likes. Et puis ben, vous abonnez aussi en même temps. Vous êtes prêts sur Facebook? Un petit coup de thé chaud. If I should stay, I would only be you away. So I go, but I know I'll think of you every step the way, and thank you.
Inside Show. Et ben allez, on enchaîne là-dessus. Why men say all the fools rush in, but I can't help falling in love with so Merci beaucoup à Naï, à Nikou et à Pascal d'avoir fait un don. Merci beaucoup à vous trois d'avoir fait un don. Il y a aussi Sylvia qui a fait un don. Merci beaucoup Sylvia. Et oh, mais il y en a d'autres en fait, je pense. Colette, merci Colette aussi, merci qui nous regarde qui a fait un don. Et Nelly pour finir qui a fait un don. Merci à vous cinq, je pense, d'avoir fait un don. Merci à vous. Et puis pour ceux, si vous aimez aussi mes lives sur Facebook là, bah, n'hésitez pas à faire un don. Voilà, comme je dis toujours, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 15 000 euros si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à faire un don. Et c'est toujours une petite pierre à l'édifice pour faire mon troisième album. Alors, je vais voir sur le live. Hey! Ah ouais, là, ma tête par rapport au live, là, avec le vent, mes cheveux, c'est complètement n'importe quoi. Là, je suis en train de me voir, c'est n'importe quoi. Mais il reste encore plus de 1000 personnes. Alors, je regarde qui c'est qui est là. Salut Bénédicte, salut Carole, salut Nathalie, Pruvo, hein, qu'on se connaît, hein, t'es venu me voir souvent jouer. Salut Barbara, salut Franck, Mikalev, qui veut un petit balavoine? Bien sûr qu'on va lui faire un balavoine, allez. La vie ne m'apprend rien, pourquoi pas, parce que j'ai pas encore appris le chanteur à la guitare. Jérémy qui veut Easy to Me, je la connais pas, de Adèle. Il y en a qui veulent Madame Ménière, mais je l'ai déjà chantée, mais pourquoi pas, on pourra la refaire.
Eh ben allez, on va faire La vie ne m'apprend rien, et ensuite en fin de composition, on fera... Non, on va faire l'inverse. On fait une composition, et ensuite on fera La vie ne m'apprend rien. Pourquoi pas, on peut faire ça. Allez, alors... Et nous sommes à 1103 partages. Et 1100... Ah, on a dépassé les 1000 partages. Super, super, super. Ça, c'est cool, voilà. Il y a autant de personnes qui regardent, qui ont partagé le live, donc ça, c'est chouette. Et pour ceux qui nous rejoignent en cours, ben, n'hésitez pas à repartager le live. En tout cas, on aura peut-être aussi une surprise avant que le live finisse. Alors, je ne sais pas combien de temps, il nous reste encore un quart d'heure de live. On aura peut-être une surprise avant la fin de quelqu'un qui vient nous voir, peut-être. Donc restez connectés, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est un truc de malade. Jusqu'au détail, hein, t'as vu ça? Même les bouteilles sont en rose. Même les bouteilles. Nous, c'est tout au détail près. C'est comme ça, le professionnalisme. Qu'est-ce qu'on allait faire? Du coup, je me souviens même plus. Ah si, on allait faire une composition. Eh ben allez, je vais vous faire Mon Ami Rose. En plus, j'aime bien la chanter parce qu'on est vraiment au bord de la Seine. Et cette chanson, ben, elle parle de la Seine aussi. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Cette chanson, elle s'appelle Mon Ami Rose. Mon Ami Rose, c'est quoi? Ce n'est pas mon amoureuse, c'est mon Ami Rose. Eh ben tout simplement, c'est quand t'as une copine, tu vois, une amie. Tu sais pas trop si c'est ta meuf, tu sais pas trop si c'est ta petite copine, tu sais pas trop si c'est ton ami ou ta petite amie. Et quand tu sais pas trop, eh ben du coup, moi je me suis dit, c'est pas mon amoureuse, c'est pas mon ami, ben ça sera mon... J'ai raté mon entrée, il y a tout qui a lâché. Oh là là, les aléas du direct, il y a toutes les roses qui tombent, il y a tout qui fout le camp. Il y a tout qui est tombé. Attends, je resserre les boulons. Et je vous dis qu'il fait tellement froid, j'arrive plus rien à faire, je sens plus rien. Le médiator, je sens même plus qu'il est dans mes mains. Les amis, il fait juste seulement 2 degrés là. Là, il fait juste seulement 2 degrés à Paris. Donc ne vous en faites pas. J'ai bientôt des stalactites qui vont tomber de mon nez là, comme ça, qui vont faire comme ça. Ça va être nickel. Et ben allez, donc je disais, et ben ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon amoureuse. Comme je ne savais pas comment l'appeler, et ben je l'ai appelé mon amireuse. Et elle fait comme ça. Tu es mon amoureuse, tu es mon amoureuse,
admireuse. Et puis on a dit qu'on allait faire un petit Balavoine pour Franck Micalef. Alors c'est parti pour Balavoine et on va faire. Je vous laisse quelques minutes pour voter entre SOS, non, tous les cris des SOS, ou La vie ne m'apprend rien. Allez, c'est parti, le temps que je boive un petit coup de thé, vous votez dans les commentaires, et au bout de 10 votes, 10 trucs, et ben on fera celle qui ressortira en première, pendant que je recolle la rose. Voilà. Alors, La vie ne m'apprend rien ou tous les cris des SOS. Alors, ils savent pas, ils disent pas. Non, ils veulent pas voter encore. Ils veulent pas. C'est le temps que ça arrive là-bas, c'est en décalé. Hein. Il doit y avoir 30 secondes de décalage entre la vie SOS, réelle. Ah. Les deux. Les deux, ils savent pas choisir, enfin là on fait les deux, c'est parti, on sait pas laquelle. L'Aziza. Bah oui, carrément un truc n'importe quoi qui a rien à voir, non mais oui, bah oui. Vous voulez pas aussi que je fasse le Dance Monkey aussi, je sais pas pourquoi. Bon. La vie ne m'apprend rien, mon fils ma bataille. Il part complètement sur un autre truc. Ah normalement mon fils la bataille, je l'ai, mais je l'ai jamais chanté celle-ci. Je l'ai jamais chanté, vous voulez qu'on essaye mon fils ma bataille? C'est possible que ça soit une catastrophe. Hein. C'est possible que ça soit une catastrophe, mais on essaye. Attends, on essaye. Vite fait, c'est la fin. Essayons de faire un dé. Sauf le seul problème, c'est que là, je fais pas ça chez moi pour essayer des trucs. Là, j'essaye un truc en vrai devant vous. On va essayer de même faire une réadaptation. Maximum de cœur alors. Hein ? Maximum de cœur alors. Maximum de cœur. Ah, maximum de cœur. Ouais, là, j'essaie de faire un truc. Là, faut qu'on relève un peu le niveau, les amis. Il est 20h48, c'est avant Miss France. On est avant Miss France. J'essaye de faire cette chanson, je ne l'ai jamais faite. Je n'ai jamais chanté cette chanson, je vois juste que j'ai la partition. Je vais essayer de faire une réadaptation un peu calme de cette chanson parce que j'ai pas envie de faire l'original parce que je vais pas y arriver. Donc on va essayer de faire un truc pour Franck. Franck, c'est pour toi. J'espère que tu l'aimeras bien. Je vais essayer de faire celle-ci, je l'ai jamais chantée. C'est un délire. J'ai juste la partition que j'avais prise une fois et je m'étais dit, faudrait que je la travaille. Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais là, sali, jugé sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. Tu leur dis que mon métier c'est du vent, qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. S'ils savaient que pour toi, avant tous les chanteurs, j'étais le plus grand, et que c'est pour ça que tu voulais. Venu grand, le jugé des larmes, ça ne me fait pas peur, c'est mon travail, fallait pas qu'elle s'en aille, oh, je vais tout casser, si vous touchez au fruit de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. C'est à lui la portée. Et pourtant c'est moi qui ai construit sa vie lentement. Tout ce qu'il peut dire sur moi n'est rien à côté du sourire qu'il me tend. Même sans assistance que rien ne défend. C'est mon enfant. Je vais
Ça part un peu en live, ça change de tonalité, mais j'ai essayé. Du coup, pour pas rester sur une défaite comme ça pour Franck, on va faire laquelle? On va faire changer la dame qui vient de s'installer. Bonsoir mademoiselle. Est-ce que vous connaissez Balavoine? Je sais pas. Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'entendre? Je connais plein de chansons. Alors, regarde, donne-lui la playlist. Eh ben voilà, on va lui donner la playlist à la dame. La dame va choisir la chanson finale. La mademoiselle, la demoiselle, voilà. Elle va choisir la chanson finale et au moins on fera. J'espère en tout cas que ça va sur Facebook. Ah, Redemption Song, ça te va? Tu la connais, Redemption Song? Oh, ok, where do you come from? Ok. Et on est même regardé en Tunisie aussi. Dites-nous si on est regardé aussi en Tunisie. On est regardé partout dans le monde entier, vous savez. En général, je crois qu'il y a des Tunisiens, il y a beaucoup d'Algériens qui nous regardent aussi. Mais voilà, dites-nous de où vous venez. Voilà, c'est toujours sympa, j'aime bien relire les commentaires après à la fin du live où je vois à peu près de où vous nous regardez. Donc dites-nous dans les commentaires d'où vous venez, d'où vous nous regardez là. Et on va faire Redemption Song. Comment c'est votre prénom? Mele. Mele? Eh ben. Mele. Ouais. Eh ben pour Mele, on va faire Redemption Song. C'est parti, on y va. Et ça fait comme ça, un petit Bob Marley. Bob Marley. Redemption song.
perception sans. Malek qui vient de Tunisie, attends, regarde, j'ai une chanson pour toi. Je sais pas si tu la connais celle-ci. Non mais tu parles pas français, tu connais un peu français. Ah, tu connais français, tu parles français. Attends, il y a une chanson pour toi pour la Tunisie. Dédicace à tous les Tunisiens qui nous regardent du coup. Et un maximum de cœur, et un maximum de partage, et un maximum de dons aussi. Ah, il y a plein de gens qui s'arrêtent du coup dans cette fête. Souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Des souvenirs se voilent, tu vois passer le train. La blancheur du voile des femmes de notre fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Et aller, et aller. Tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à peine elle t'entend. Le premier mot d'amour sur les chansons velours, Habibi, Habibi. Les souvenirs se voilent, tu les aimais ces fruits, les noyaux d'abricots, pour toi c'était des pires. Soirée de fête qu'on faisait dans nos têtes aux plages ramanaises. Et aller, et aller, Habibi, et aller. 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 Tes souvenirs du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau, une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Bientôt se quitter sur ces belles paroles parce qu'il est déjà 21h, qu'on a quand même froid un petit peu beaucoup et voilà, mais en plus Michael tient l'appareil photo depuis tout à l'heure, il doit vraiment avoir froid, mais voilà, en tout cas merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. On va aller voir, tiens.
va aller voir les statistiques. Normalement, je crois que je peux les avoir avec ce téléphone-là, peut-être. Il y a Dominique qui vient de faire un don. Donc, merci, merci, merci beaucoup à Dominique. Et merci aussi à tous ceux qui ont fait un don ce soir. Si vous avez aimé, si vous aimez mes lives, si vous aimez les folies, les chansons, et si vous voulez me soutenir, ben voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit don sur ma cagnotte. Ben, ça m'aide pour moi, pour vivre, et ça m'aide aussi pour faire mon prochain album. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit don. Comme je dis, c'est toujours une pierre à l'édifice. Même si vous mettez 5 euros, même si vous mettez 10 euros, chacun fait avec les propres moyens qu'il a. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Et ça m'encourage beaucoup. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon live. Je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. Mais il reste encore 1000 personnes sur le live. 1160. Mais ils veulent pas partir, ils veulent pas partir. Il reste encore 1000 personnes. Alors, il y a Nathalie qui veut cœur. C'est vrai qu'il y a cœur qui me l'a. On me demande cœur depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui me demande inatteignable, mais je l'ai déjà chanté. Allez, j'ai envie de la rechanter. C'est parti. Pour Malé. Malek. Ah, mais j'entendais pas bien. Malek. Voilà. Ça veut dire quoi? Ange. Ange en plus, ça veut dire. Je vais te chanter une belle chanson alors. Je vais te chanter une belle chanson d'amour. C'est une chanson que j'ai écrite. Et donc, du coup, je vais te la chanter. Je vais t'interpréter. Alors, d'habitude, je la chante au piano. Mais sauf que là, je n'ai pas pris mon piano, tu vois, c'est déjà compliqué de prendre la guitare, du coup le piano c'est compliqué. Je l'ai enregistré sur mon téléphone le piano, donc je vais te l'interpréter. Et ben allez, c'est parti, pour ceux qui m'ont demandé inatteignable, donc je vais la rechanter pour vous. Mais tout à l'heure, je l'ai bien chanté quand même, j'étais chaud tout à l'heure, j'étais chaud, je l'ai bien chanté. Et ben allez, c'est parti, je vais vous la refaire. C'est ma composition. Elle s'appelle Inatteignable. Elle n'est pas encore sur l'album que vous voyez, que Michael tient dans ses bras. Mais elle sera sur le troisième album. Et vous pouvez dès à présent commander la réédition de celui-là, où il y aura 3 titres inédits dessus, parce que là il n'y en a plus, vous m'avez dévalisé, hein, honnêtement, pour tout vous dire, vous les avez tous commandés, donc j'en ai presque plus. Je crois que les derniers, je pense que les commandes vont partir ce soir. Mais en revanche, il y a une réédition qui est en train de se faire, là, qui va sortir d'ici juste après Noël. Donc vous pouvez déjà le commander. Pour ça, c'est très simple. Vous m'envoyez un message privé sur ma page Roman Rose. Ah bah voilà, quand vous êtes sur ma page Roman Rose, qui est bien certifiée avec un rond bleu, attention, ça veut dire que c'est moi ici. Il y a un rond bleu, vous cliquez sur message et puis après bah, hop, ça vous balance sur le truc. Après voilà, vous pouvez m'écrire sur Messenger et vous me demandez comment faut faire pour avoir un album et je vous donnerai la marche à suivre. En tout cas, on remercie encore très très fort Michael qui tient l'appareil photo derrière la caméra. Voilà, 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 merci Michael. Allez, je remets ça et je vous fais Inatteignable, ma dernière composition que je dédicace à Malek, et elle fait comme ça. Inatteignable, comme le soleil qui brille, les étoiles se parient, t'illuminent sur la dalle, et les douces mélodies sortent comme par magie. Dans la nuit et le calme, je savoure insaisissable, comme l'air que tu parsèmes de notes et de poèmes s'envole vers mon âme. Tu m'insuffles les mots qui traversent ma peau et fais baisser ma garde. Et je cours toujours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai tous les jours jusqu'à retrouver ta voix de velours. Et je cours toujours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai tous les jours jusqu'à retrouver ta voix de velours. Inéluctable, les sorts que tu me jettes, les accords qui me fouettent, ce trésor est responsable de ma folie soudaine qui enivre mes veines et me rend vulnérable. De jour en jour, inconsolable, quand coulent mes larmes sans bruit et sans armes, je suis abominable. J'attends le jour où tu cueilleras mon amour comme le fruit sur un arbre.
et je cours toujours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai tous les jours jusqu'à retrouver ta voix de velours. Et je cours toujours le long de la Seine et des faubourgs. Je te chercherai tous les jours jusqu'à retrouver ta voix de négociable. Je n'irai pas en enfer, même si ce ne sont que des chimères. Tu es inéchangeable. Je bâtis une image d'un amour, d'un mirage, pour que tout devienne acceptable. J'embrasserai mes vieux avant ma chute abyssale. Je ferai des chansons pour unique raison de ma douleur et le diable. Impitoyable, inébranlable. Le vent sur ma figure a grandi la fissure, mais je resterai de marbre. Je t'aurai à l'usure. Tu m'aimeras, j'en suis sûr. Je sais, je suis lamentable. Qu'on me jette d'un pont ou dans la cage au lion, j'en sortirai redoutable. Redoutable. Tu es formidable, magistral, une étoile. Et ben voilà pour cette composition. Pour cette composition, pour ceux qui ont raté le début du live. Et puis on peut refaire. Allez, on va chanter Madame Meunière pour finir aussi, parce que je commence à avoir un petit peu froid quand même. À moins que je vous fasse ma dernière chanson avec le playback. Ah, mais le playback, je l'ai pas sur ce téléphone-là et je l'ai pas encore mis dessus. C'est l'erreur que j'ai faite. Elle est sur mon téléphone sur lequel vous êtes en. Ah, mais quoi que la dernière fois, je l'ai pas envoyé. Attends, on regarde. Allez, je vous fais la dernière chanson que j'ai faite, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que je prenne mon téléphone là. Pour vous l'envoyer. On a fait ça la dernière fois, non? On l'a pas fait, du coup, on n'a pas voulu, mais là, c'est la fin. Ok, on essaie de faire un truc alors. Je vais prendre le téléphone. Il reste encore du monde? Ouais, 1019 personnes. Il reste 1000 personnes. Je vais vous faire la dernière chanson que j'ai faite. Je sais qu'en plus, il y en a plein qui l'aiment bien, mais je peux jamais la chanter parce que j'ai pas l'instrumental. Et comme elle est au piano aussi. Et du coup, à la fois, je voulais vous la faire, mais au final, on a abandonné l'histoire. Mais là, comme c'est la dernière chanson, comme c'est la fin, enfin, on dit que c'est la dernière chanson, mais en fait, c'est jamais fini à chaque fois. Donc attendez. Je vais me l'envoyer sur le téléphone sur lequel je passe les instrumentales. Alors, ne bougez pas, on vous fait voir la scène en attendant. Et voilà, on est là, c'est bon, je l'ai envoyé. Tac, 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 je redonne le téléphone. Alors. Ok, et bah c'est parti, j'ai pris la dernière chanson que j'ai faite, moi je vais pouvoir enfin vous la faire. Alors, avant de vous la faire, la dernière chanson. Ah ouais, après tu veux que je tape peut-être. Ça va? Attends, on est en train de tout refixer le truc. Oh là 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 là. Tac, oui, il va falloir acheter la doudoune rouge, c'est vrai que j'ai lu ça, mais c'est comme ça. Un artiste, Roman Rose, c'est en costume rouge. C'est pas grave, qu'il fasse moins 15, moins 35, je chanterai toujours en costume rouge, toujours. Restez connectés. Ce sera la dernière parce qu'il reste 10% de batterie. Ah, il reste 10%. Ouais. Bon, bah alors on fait en l'air. Alors on fait direct en l'air. Et bah allez, on fait la dernière chanson que j'ai faite, que j'ai écrit. C'est vraiment la dernière. Je l'ai écrit il y a 2 semaines celle-ci. Il n'y a plus de batterie de toute façon. Donc c'est la fin. C'est la fin de tout. Il n'y a plus de batterie. Et ben c'est parti. C'est parti. J'ai pas le truc, bien sûr, évidemment. Attendez les amis, c'est tout un truc, hein, oh là là.
Est-ce que ça va marcher comme elle n'est pas connectée? Ah, elle s'y sait pas. Nous sommes à 1175 partages. Eh ben, allez, 1175 partages. Oh, c'est cool, on a fait 1175 partages. Eh ben, allez, c'est la dernière chanson, les amis. C'est la dernière chanson aussi que j'ai. C'est la première fois que je voulais la chanter dans la rue, parce que je voulais chanter en concert sur la scène la dernière fois, mais jamais dans la rue. Donc, du coup, voilà, un maximum de cœur, les amis, je compte sur vous. Et puis, bah, du coup, bah, elle fait comme ça. Tu me jettes en l'air, et tu ne me rattrapes pas, et on s'envoie en l'air, pour que je ne t'oublie pas, et tu me jettes à terre. Alors je croule sous tes pas, que dois-je faire pour te plaire, pour rester auprès de toi? Reste de nous comme des éclats de verre. Je te suis partout, mais tu files comme un éclair. J'irai jusqu'au bout, au bout du monde, poser mes valises sous ton toit. Gagner des secondes, tenir le coup, car je ne peux pas vivre sans toi. Alors oui, j'essaie de tout oublier, de tout gommer, mais c'est à chaque fois pareil. Alors si se réveille le souvenir du passé, tous les baisers volés, si tu pareil au même, et tu me jettes en l'air, et tu ne me rattrapes pas, et on s'envoie en l'air, pour que je ne t'oublie pas, et tu me jettes à terre. Alors je croule sous tes pas, que dois-je faire pour te plaire, pour rester auprès de toi? J'essuie mes larmes avant que tu poses les yeux sur moi. Je te donnerai mon âme, tu feras ce que tu veux de ça. Tu peux t'amuser, tu peux les embrasser, mais je t'en supplie, reviens vers moi. Je veux t'enlacer, ne pas t'emprisonner, je suis prêt à tout pour toi, tu vois. Alors oui, je sais que je t'ai tout donné, que je t'ai pardonné, mais c'est à chaque fois pareil. Alors si tu sais pourquoi me laisses-tu tomber, moi j'ai tout sacrifié pour t'écrire des merveilles. Et tu me jettes en l'air, et tu ne me rattrapes pas, et on s'envoie en l'air, pour que je ne t'oublie pas, et tu me jettes à terre. Alors je croule sous tes pas, que dois-je faire pour te plaire, pour rester auprès de toi? Même si ce ne sont que des paillettes, des bribes d'amour qui me tiennent d'un fil, non, je n'en perdrai pas une miette de ces moments si courts, indélébiles. Tu me jettes en l'air, et tu ne me rattrapes pas, et l'on s'envoie en l'air, pour que je ne t'oublie pas. Et tu me jettes en l'air, et tu ne me rattrapes pas, et l'on s'envoie en l'air, pour que je ne t'oublie pas. Et tu me jettes à terre, et je croule sous tes pas, que dois-je faire pour te plaire? Et tu me jettes en l'air. Et ben voilà, c'est la première fois que je la chante en rue, là, celle-ci, je l'avais chantée sur scène. Et voilà, pour ceux qui l'avaient demandé sur le truc, combien il reste de batterie? Est-ce qu'on a le temps de faire Madame Meignet pour finir? Allez, on essaie jusqu'à que ça coupe. Attends, on va baisser la luminosité, on va voir. Si, on fait Madame Meignet, du coup on a le temps, parce que c'est encore... Il reste encore de la batterie, il reste 10% de batterie. Et ben c'est parti, on va faire pour finir Madame Meignet, pour ceux qui ne l'ont pas entendu tout à l'heure. Et bah, vous savez que je la joue au piano d'habitude, mais là je n'ai pas le piano avec moi, du coup bah, on va la faire avec le téléphone. Et je compte sur vous, comme c'est du coup bah, la dernière, cette fois c'est la dernière je pense, parce que là il n'y a plus de batterie après. Et cette chanson, pour ceux qui sont là, qui restent, c'est une chanson, vous parlez français, tout le monde parle français ici. Ouais. c'est une chanson que j'ai écrite sur la maladie de Meynière. La maladie de Meynière, c'est la maladie dont je suis atteint, c'est la maladie des vertiges.
c'est la maladie voilà, qui on a la tête qui tourne et des fois quand j'ai des crises bah, j'ai la tête qui tourne et on peut plus rien faire de notre vie quoi. Vraiment c'est, je reste couché pendant une semaine et je peux plus rien faire et cette chanson moi je l'écris à ma dernière crise cet été et elle fait comme ça. Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. J'ai prié pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'amener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivres, mais là-bas je ne te suis pas. Je me suis souvent battu et en vain je t'ai repoussé. Je dois juste m'avouer vaincu lorsque tu en as décidé. Te laisser prendre possession de tout mon corps comme un poisson. Puis quand tu en auras fini, je reprendrai le cours de ma vie. Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. J'ai prié pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'emmener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivres, mais là-bas je ne te suis pas. Jusqu'à ton prochain retour, je pourrai enfin filer droit. Tu sais, je t'oublie jusqu'au jour où tu t'occuperas bien de moi. Tu restes parfois une journée et souvent tu t'attardes des nuits. Tu berces toutes mes insomnies, j'aimerais pouvoir t'oublier. Tu arrives toujours sans frapper et tu entres encore à grands pas. Dans ma tête tu fais comme chez toi, tu lances la machine à laver. Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. J'ai prié pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'emmener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivres, mais là-bas je ne te suis pas. La première fois que je t'ai vu, tu as fait chavirer mon cœur. Mais à 12 ans, comment veux-tu que je comprenne toute ma douleur? Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. J'ai prié pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'emmener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivres, mais là-bas je ne te suis pas. Et tu me fais tourner la tête et le monde tourne autour de moi. Je prie pour que tout s'arrête et tu te fiches bien de ça, toi. Tu me rends fou quand tu arrives et voudrais m'emmener avec toi. Tu me surprends et puis m'enivres, mais là-bas je ne te suis. Merci. Bah c'est cool, on aura du monde tout au long de ce live. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en live. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait vachement longtemps. 2h28. Ça fait 2h30 qu'on est en live. Ça fait 2h30 qu'on chante. Et bah écoutez, on va mettre fin un peu à ce live. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là aussi, qui sont venus nous voir en vrai. Il y a plein de gens qui ont défilé, qui sont restés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Malek aussi qui est venu de Tunisie spécialement. Elle est venue de Tunisie, elle est venue pour me voir chanter. Là, elle repart en Tunisie, c'est un truc de dingue.
Donc merci, voilà, merci, merci à vous. Et puis bah, merci aussi à tous ceux qui ont suivi le live sur, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, il y aura plein d'autres lives encore. Et puis bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit don sur la cagnotte. Si vous avez aimé aussi vous qui êtes là en vrai, vous pouvez faire un petit don dans, dans l'étui à guitare. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit don sur, sur, sur la cagnotte. Mettez 2 euros, mettez 5 euros, 10 euros, 15 000 euros, 150 000 euros si vous voulez. Allez-y, allez-y, mettez tout le PEL, tout, vas-y, tout. Mais voilà, j'ai une personne la dernière fois qui a. Pardon, pour enlever le micro, ça sert à rien. Je dis ça, mais il y a une personne qui m'a dit t'es pénible avec ta cagnotte, nanana. Mais sachez que moi c'était mon métier de jouer dans la rue, de chanter dans le métro. Sauf qu'on n'a plus le droit de chanter dans le métro, c'est interdit. Dans la rue, c'est des fois même interdit ça, et les temps sont vraiment difficiles parce que les gens ne donnent plus comme avant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un don, c'est vraiment mon métier. Et je peux pas spécialement faire quelque chose à côté, parce que si on fait quelque chose à côté, eh ben on fait plus rien d'autre en fait. Et j'ai déjà fait ça, j'ai travaillé à mi-temps dans un magasin pour faire la musique et faire le mi-temps. Au final, je faisais plus de musique parce que même à mi-temps, bah, ça prenait. On peut plus faire de musique à côté. Et voilà, j'ai décidé de faire ça de ma vie. J'ai fait mes études là-dedans. J'ai fait le conservatoire. J'ai fait une école d'ingénieur du son. Donc, je suis diplômé bac plus 3. Mais voilà, j'ai décidé vraiment de faire de la musique de ma vie, d'écrire des chansons et de me faire connaître. Et c'est pour ça aussi que je fais des lives sur Facebook. Et voilà, j'ai sorti un premier album en autoproduction, j'ai sorti un deuxième album en autoproduction. Et voilà, pour le troisième album, c'est sûr que je fais des lives sur Facebook. J'ai une petite cagnotte qui fait que les gens qui aiment ce que je fais peuvent participer. Et voilà, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez les lives, pour moi en plus, vous êtes nombreux à les suivre, donc je pense que vous aimez. Vous êtes nombreux à m'envoyer aussi des messages comme quoi ça vous fait du bien et voilà, je me sens utile pour vous et c'est pour ça que ça me donne la pêche pour continuer. Je vois qu'on est de plus en plus à suivre les lives, je vois que je reçois des centaines et des centaines de messages tous les jours et voilà, je sais pourquoi je fais ça, j'ai un but et j'y arriverai et j'y arriverai avec vous c'est pour ça que voilà, c'est important de me soutenir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit don. Et comme je le dis à chaque fois, même vous imaginez, je sais pas combien vous êtes là, imaginons. 726 personnes. Il y a 726 personnes. Vous imaginez si 700 personnes faisaient un don de 2 euros, ça serait un truc de dingue. Donc voilà, c'est juste ça. Après, comme je dis, il y a toujours peut-être 5, 6, 10 personnes qui vont faire un don. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Et ça prend que dalle de temps, c'est sécurisé. PayPal, pour ceux qui connaissent, c'est sécurisé. Litchi, c'est sécurisé aussi. C'est fait en partenariat avec une grande banque, avec le Crédit Mutuel, il me semble. Donc voilà, vous pouvez faire un don, c'est sécurisé avec votre carte bleue et vous mettez ce que vous voulez, vous mettez 5 euros, 2 euros même si vous voulez et voilà, c'est toujours ça en plus et puis ça soutient les artistes, vous avez passé un bon moment, ben voilà, n'hésitez pas à faire cela. Voilà, bon, est-ce qu'on leur montre comment on range le matos, ce que vous ne savez pas. Et les faux comptes aussi. Les faux comptes, un petit mot sur les faux comptes. Il y a plein de faux romans roses qui se font passer pour moi avec des fausses images de moi et tout ça. Faites attention de pas vous faire avoir. Ils viennent souvent vous contacter après les lives en vous ajoutant en ami. Moi, je peux pas ajouter les gens en ami parce que c'est une page. Donc, je ne fais jamais de demande d'amis. Donc, ce n'est pas moi. Supprimez tous les romans roses que vous demandez en ami. Supprimez-les. Si jamais ils vous envoient un message aussi, ce n'est pas moi parce que moi, je ne peux pas envoyer de premier message. C'est-à-dire que c'est à vous de m'envoyer un premier message et ensuite, je peux vous en envoyer. Et tout simplement, pour savoir si c'est moi, à côté de mon nom, il y a un petit rond bleu, comme vous voyez ici. Ce petit rond bleu est donné par Facebook pour les gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont connus. Et ben, comme moi j'ai beaucoup d'abonnés, je sais pas si je suis connu, mais en tout cas j'ai beaucoup d'abonnés, et ben j'ai eu le droit à ce petit rond bleu. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'avoir, ce rond bleu, et les arnaqueurs n'ont pas ce rond bleu. Et dernière des petites choses, tout simplement, vous verrez tout de suite que ce n'est pas moi parce qu'il utilise des mots complètement dingues, du style mes chers fans adorés, mes amours, mes nanas, moi je parle jamais comme ça. Et il vous donne souvent un numéro de téléphone. Moi je ne donne jamais mon numéro de téléphone, je ne donne jamais de WhatsApp, il n'y a personne qui a mon numéro de téléphone. Donc du coup, voilà, ce n'est pas moi, tout simplement. Si on vous demande, s'il commence à parler bizarrement, avec des fautes d'orthographe, avec un numéro de téléphone, ben ce n'est pas moi. Voilà. Et puis, ben j'allais finir tout à l'heure en disant. Que c'est beaucoup de boulot à tout installer, à tout mettre. Donc on va vous laisser regarder un peu ce que c'est le boulot pour que vous vous rendiez compte. Parce qu'à chaque fois qu'on lance le live, tout est installé, tout est beau, tout est propre. Mais Mickaël, il va vous faire voir ce que c'est de tout ranger. Donc je vais tout ranger devant vous et vous allez voir le boulot que c'est de tout ranger sale. Parce qu'on se rend pas compte, hein, mais y a du boulot, hein, y a du boulot. Bon, ça va Malek? Bah c'est cool, c'est cool. C'est la première fois que tu me voyais? Ouais. Ok. Et ah ouais, t'as suivi, super. Et t'habites à Paris maintenant? Non, en fait, j'habite sur Paris, mais...
T'habites à Paris maintenant? Ok, ok, d'accord. Et ben voilà, moi tu m'auras vu. C'est cool. À bientôt, hein, salut, salut. Ça caille, hein. Je sens plus les pieds. Les gens se rendent pas compte, mais il fait très très froid. Je vais me faire... D'ailleurs, je vais direct prendre ma veste parce qu'alors là, il caille, il caille, il caille. Ah ouais, là. Là ouais mais ça va, il fait 5 degrés là, c'est bon, on est bien là, il fait chaud même d'ailleurs. Il fait chaud hein. Là, comment tu fais, ah ouais. Le malade mental, ça, malade mental de la tête. C'est la passion, la passion, la passion, ça m'aide à, non, à continuer. Ah ouais, c'est bien. Hop. Dis-moi quand tu te le fais. C'est bon ah. Comme ça. Oh, attends, j'aurais pu ranger, hein, t'inquiète, t'inquiète. Hein, bon, alors vous allez voir un peu tout le bazar que c'est là. Puis après peut-être avec le restant de batterie. Ah mais peut-être qu'il reste plus de batterie aussi. Attends, je vais quand même regarder s'il reste de la batterie pour pas que ça coupe le... pour pas que ça coupe la musique est finie, oui. Maintenant on va pouvoir ranger là. Bon, on va pouvoir refaire le background. Et je vois qu'il y a des gens qui sont en train de faire des dons. Donc merci, merci à tous ceux qui sont en train de faire des dons. Là je vois qu'il y en a plein qui font des dons. Donc merci, merci, merci beaucoup d'être compréhensif vis-à-vis de ça. Allez c'est parti, on range tout. Je sais plus ce que je fais moi. C'est le chat qui avait dit ça. Hein? Alors, je les ai posés quelque part. Ah là, ils sont là. Donc mes petites oreillettes, parce que j'ai des petites oreillettes, vous savez, dans mes oreilles, vous savez, vous posez la question. C'est tout simplement parce que l'ampli est devant moi et au moins bah, ça permet de m'entendre. Donc c'est mes ears que je mets dans mes oreilles. Donc ça. Je peux vous demander quand est-ce que vous jouez où? Il faut me suivre sur les réseaux. Ah vous me connaissez? Ouais, c'est, Ah ok ok cool. Et ben tout simplement en fait je marque sur Facebook en story. En story je marque où je joue en général. Pardon. Non. Ah ok d'accord d'accord. Ok il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer en fait. Ah d'accord ok. Donc là. C'est un grand braqueur de banque, c'est pour ça qu'il ne faut pas tellement le filmer parce que... Alors voilà, on range un peu tout là, tatata. Il faut savoir que moi j'ai fait ça pendant 4 ans dans la rue et tout ça dans le métro. Et là c'est vraiment un réel plaisir d'avoir Mickaël qui m'aide vraiment dans mes lives. C'est vraiment vraiment super sympa de sa part. Il est vraiment adorable. Comment? Un CD? Oui, mon deuxième album. Il en reste quelques-uns. Oui, ouais, j'en ai. Il en reste. Ah, c'est normal, oui. Et j'ai des casse et tout ça. Voilà. Et donc, du coup, vous m'avez déjà vu sur Facebook alors les lives que je fais. Ah oui. Quoi, c'est confidentiel là ce que vous allez me dire là? Ah ok ok, oulala, je ne sais pas ce que monsieur va me dire mais ça me fait peur, hein. Ça m'inquiète. Ah bah c'est cool, tant mieux, tant mieux. Il n'y a rien de méchant, hein. Ça ne regarde pas forcément. Hop là. Comment? Bah là on leur montre un peu parce que c'est vrai qu'en général les gens se rendent pas compte de tout le boulot que c'est, de tout installer, de tout le matériel. Et du coup voilà, les gens voient un peu ce que c'est l'installation. Ouais là il fait froid ouais. Mais les gens préfèrent quand je joue dans la rue que quand je joue en studio ou quoi ou sur scène. Pour suivre en tout cas. Comment? Ah. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est bien ça.
du boulot les roses, hein. Vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade mental. En fait, on monte une scène ambulante à chaque fois. On monte une scène ambulante. Mais là encore, on va vite. Là, on speed. Hein. Là, on speed parce qu'on a vraiment froid. Il faut savoir que ça met moins de temps à remballer que d'installer. Installer, ça met un peu plus de temps. Là, ça va, ça va. C'est un peu comme un marin là, vous avez vu? Tac, faut mettre des fils, des machins, des trucs, pop, pop, pop. Voilà, on serre tous les câbles, pop, 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 pop. Et là, on est déjà bien là-dessus. Voilà, ensuite, on a toutes les batteries. Allez, on va enlever la lumière, mais normalement, vous allez continuer à nous voir là. Hop là. On enlève les batteries parce que ça marche en batterie en fait tout ça. Regardez, ça rentre comme ça avec le truc. Ah bah voilà, on peut même continuer comme ça. Et ben voilà, on a à peu près tout rangé. Il y a encore 500 personnes qui regardent le rangement. Hein, le rangement. Et on va voir qui est monsieur aussi hein, parce que. Comment vous appelez? Ah, faut pas le dire en live, faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire. Alors, tac tac tac. Et ben voilà, on est plutôt pas mal, je vais enfiler la guitare. Paf. Alors venez avec nous monsieur, parce que je voulais leur montrer l'hôtel de ville et après je vais quitter le live juste là-bas. Ça marche. On va aller juste vous faire voir l'hôtel de ville, toutes les décorations comme c'est joli, puis on mettra fin au live là-bas. Parce que c'est magnifique là, c'est vraiment très très beau. Ouais, venez avec nous et puis j'ai dit venez avec nous, on va juste. C'est là-bas, non ? Comment ? C'est là-bas. Ouais, je vais juste leur montrer les décorations et après je mettrai fin au live là. Ah d'accord. Je vais mettre fin au live là-bas. Venez voir, on va vous faire voir l'hôtel de ville. Alors, hop là, les amis, je suis là avec mon petit caddie, ma petite guitare et prêt pour de nouvelles aventures. Vous avez vu tout mon matériel là, ça rentre tout là-dedans et Franklin, tu vois, Franklin et sa carapace. Un sosie de Michael Jackson. Je me suis dit, il y a Michael Jackson qui nous suit. C'est un truc de fou. Non, le monsieur est producteur, mais voilà, mais de spectacle, donc ça peut être cool. Oh là là. Ils sont complètement fous, les gens. Regardez comme c'est magnifique.
Voilà, voilà. Donc voilà, on a l'hôtel de ville, le bel hôtel de ville de Paris avec plein de décorations, c'est magnifique. C'est très beau, c'est très beau. Regardez comme c'est beau, un petit mur d'escalade. Oh que c'est beau, on va aller se perdre un peu dans les... On va aller se perdre dans les sapins là, regarde. Tu vas voir. Oh là 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 là, que c'est magnifique. Regardez là, là, on va se perdre là-dedans. Ça va être un truc de fou. Paris Saint-Yves. C'est beau. Ah ouais, c'est vraiment mignon, hein, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Ils ont mis la petite crèche ou pas? La petite crèche, mais on peut plus ça. Ils ont arrêté, il y a trop de problèmes. Regardez, ouais, c'est... On dirait un aquarium, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, voilà, et ça aurait été chouette comme de se faire un live ici. Hein. C'est quand même vraiment chouette, mais je pense que là la sécurité nous aurait vite gerclé quoi. Quoique la prochaine fois, regarde si on se met par là-bas. Attends, on va aller voir, on va essayer de regarder un endroit pour le prochain live si on n'arriverait pas à faire un live par là. Franchement, on pourrait essayer, on verra si la police nous arrête parce qu'il y en a plein qui me demandent si j'ai le droit de faire ce que je fais. Faut savoir, c'est une triste réalité en France, c'est quand même triste hein, vraiment de se dire dans ce pays, en France, on ne peut pas faire de musique dans la rue, c'est interdit. Je trouve ça complètement fou, c'est interdit de faire de la musique dans les rues. Donc il y a certaines dérogations qui sont dans le métro, parce que le métro par exemple c'est la RATP, donc c'est privé, donc ils font passer des castings et t'as une carte. À Bruxelles, ils font passer des castings, donc on a une carte pour jouer dans la rue, on a le droit de jouer dans la rue. Mais à Paris, c'est interdit de jouer dans la rue, c'est pour ça que ben voilà, c'est toujours compliqué avec la police et tout ça. Est-ce qu'ils vont nous arrêter, est-ce qu'ils vont pas nous arrêter? Tout dépend, moi ils me connaissent, en plus avec mon costume rouge, maintenant ils me connaissent bien. Donc en général ils me laissent, ils sont plutôt sympas. Mais voilà, arrive que des fois il y a des petits gars qui sont pas tellement cool et qui me virent ou qui peuvent même te saisir le matériel. Et c'est-à-dire qu'ils te saisissent tout ton matériel et c'est à eux après. Et après il faut payer une redevance pour tout le ravoir. Tu payes une amende qui peut aller jusqu'à 1200 euros. J'ai des amis qui ont été condamnés pour ça. Alors c'est pas la première fois, ils sont allés jouer, on leur a dit de pas jouer et ils se sont fait reprendre plusieurs fois. Et un jour, ben voilà, on les a amenés au poste et on leur a saisi tout leur matériel et ils ont eu une amende de 1500 euros à payer. Donc c'est un truc de dingue. Moi, je suis jamais arrivé à ce point-là parce que je suis toujours sympa avec la police en général quand elle vient. Je suis compatissant et tout. Attends, c'est peut-être plus joli de regarder par là pendant que je parle. Mais voilà, je suis sympa avec la police, donc en général, ils me laissent et ils ne m'emmènent pas au poste. Mais voilà, quoi, c'est, je trouve ça triste et tellement... C'est rageux, je trouve, vraiment, de ne pas pouvoir chanter, de ne pas avoir le droit de chanter dans la rue. Ça donne tellement de bonheur aux gens. Les gens, vous avez vu, pour ceux qui ont suivi le live dans sa totalité, au début, il y avait un monde de dingue, là, les gens étaient fous, ils chantaient, ils dansaient. Ça donne du baume au cœur à tout le monde, surtout dans ces temps qui sont si difficiles avec le Covid, avec ce fait de s'enfermer les uns les autres. Je trouve que c'est tellement important. Et voilà, donc j'espère que ça serait un message. Je sais que c'est pas les choses principales, bien sûr, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie pour l'avenir de politique français ou j'en sais rien. Mais ça serait quand même bien que nos politiques voilà, fassent quelque chose pour la culture et pour la culture de rue, qu'ils puissent voilà, monter quelque chose. On est d'accord qu'il ne faudrait pas que ça soit ouvert à tout le monde, ça serait l'anarchie. Mais voilà, de faire des castings, qu'il y ait des roulements, qu'il y ait des horaires adaptés. Comme dans toutes les villes, il y a ça. Honnêtement, à Bruxelles, il y a ça. À Londres, il y a ça. En Irlande, à Dublin, il y a ça. Toutes les villes du monde ont ce principe de musicien de rue toléré par la ville, avec un papier, avec une carte, avec des auditions. Tout est fait, mais il n'y a qu'en France où on n'a pas le droit, où c'est interdit de jouer. Il faut vraiment savoir, c'est interdit de jouer de la musique en France. C'est interdit. Et ça, je trouve ça dingue. Et voilà, j'aimerais bien que les politiques français, la ville de Paris, Anne Hidalgo qui est là, tranquille, qui en rassera en ce moment en plus. Elle en rassera, Anne. Donc s'il te plaît, fais-moi plaisir, Anne. S'il te plaît, fais quelque chose pour les musiciens de rue à Paris. Ça serait vraiment cool. Parce que c'est vraiment important et ça met vraiment, vraiment, vraiment du bonheur à tous les gens que je vois dans la ville. Ça leur met vraiment du baume au cœur. Donc voilà, faites quelque chose pour les musiciens de rue, qu'on puisse enfin chanter librement, avec des horaires. On est d'accord qu'on va pas aller foutre le boxon à 22h30 sous les toits de Paris. Mais voilà, en pleine journée, qu'on puisse chanter. Voilà, c'était mon mot de fin de live. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. On va aller refaire un petit tour là-bas.
Ah, je crois que ça va bientôt couper, je pense, le live, j'ai bientôt plus de batterie. Donc, mais voilà, on va aller refaire un petit tour là-bas pour vous montrer. Mais voilà, en tout cas, si vous avez apprécié ce live incroyable, encore fou, il y a Alice qui nous a rejoint, parce que vous avez vu qu'on a pu chanter en duo avec Alice. Et ben n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Et puis ben je vous dis à très très bientôt. Si vous avez encore plus aimé le live, faites un petit don sur la cagnotte. Je vous ai expliqué pourquoi, les aboutissements de tout cela. Et puis ben, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très 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 bientôt pour un nouveau live, peut-être demain, peut-être après-demain, on verra. Gros bisous à tous et merci encore à Mickaël qui tient la caméra derrière, qui est super chouette et qui vient m'aider presque tout le temps là. C'est vraiment vraiment chouette à lui, donc merci beaucoup Mickaël. Et puis ben à très très vite, bisous bisous, ciao ciao ciao, bonne soirée. Bisous.